On se retrouve pour un nouveau Matin Info. Donc, c'est où ce que je fais, bah, par exemple, le Matin Info, bah, c'est ceux qui connaissaient pas les nouveaux. C'est, en fait, je prends tout ce qui est global sur la chaîne et je débrief tout avec vous. Donc, voilà, c'est vraiment le débriefing du mois de septembre aujourd'hui. Donc, on est actuellement, je tourne le 27 et vous, normalement, vous le verrez soit le 28 ou alors le samedi. Mais normalement j'essaierai d'essayer de vous faire ça c'est soit mercredi ou soit jeudi que vous l'aurez, donc voilà, on vous inquiétez pas pour ça. Donc on est parti pour le Matin Info, on va parler un peu des séries en cours et puis on partira un peu des nouvelles séries qui vont arriver, que là quand même pas mal, il y a beaucoup de trucs qui ont changé pendant ce mois-ci, et on va parler un peu de la communauté et bien sûr des jeux multi avec la team. Alors pour la série qui vont arriver, bon, on va parler un peu des séries actuelles qui vont pas changer pendant tout le mois, en tout cas. C'est Pokémon, donc on arrive bientôt à la fin, j'espère, parce que voilà. J'aime bien le jeu Pokémon, mais j'aime bien qu'on arrive tout doucement à la fin, et on est déjà à l'épisode 30, donc voilà, ça arrive déjà très très loin. Donc voilà, Pokémon avance tranquillement, on a notre Léviator, on a notre dernier Pokémon, et voilà. On avance tranquillement, je m'éclate toujours dans ce jeu, donc voilà. C'est le petit débrief de Pokémon. Alors, comme autre jeu, ben, il n'y a pas d'autre jeu, en fait, qui était déjà là depuis le dernier Matin Info. C'est que des nouveaux jeux qui vont arriver. Donc voilà. La série qui va arrêter, c'est avec un gros regret, ben, c'est quand même Crash Bandicoot 1 sur PlayStation 1. Parce qu'en fait, je ne sais plus sauvegarder. J'avais dit sur ma vidéo planning. Je ne sais plus sauvegarder. Et ça me fait un peu chier. Donc voilà, je ne peux plus sauvegarder. Ça me faisait chier, donc voilà, j'ai décidé d'arrêter Crash Bandicoot. On était à l'épisode 4, enfin, j'ai tourné à l'épisode 4 quand ça faisait ça. Donc voilà, c'est juste l'épisode 4 qui est retiré. Voilà. La série sera complètement retirée, donc vous inquiétez pas, vous l'avez pu, c'est pas grave. Après, on a la série qui s'arrête, on en a plus, ben, on a le Let's Play, mais bon, le joueur, je l'avais déjà dit, qui est mort. Donc voilà, c'est un peu chiant, bien sûr, je l'accorde. Beaucoup de mes abonnés aimaient bien ce let's play parce que je faisais plein de trucs. Mais bon, on fera peut-être une saison 2 beaucoup plus tard, on sait jamais. Donc voilà, et les séries qui vont arriver maintenant, c'est, il y aura un peu de tout sur la chaîne, hein, on va plus voir sur le planning. Donc voilà, on a Double Cream Racing qui revient, la saison 2. La saison 2 de Double Cream Racing revient. La saison 2 de Clash of Clans sur le premier jeu que j'ai démarré. Le premier let's play que j'ai démarré sur ma chaîne, c'est du Clash of Clans. Je dois bien revenir sur les bases de Clash of Clans, donc voilà, ça fait plaisir de pas mal de monde, je pense que ça fera plaisir à pas mal de monde, Clash of Clans, la saison 2, donc voilà, ça fait beaucoup plaisir, surtout pour moi parce que j'ai envie de retourner sur Clash of Clans. Alors après ça, Wicked Racing revient, donc le même design que la fois dernière, sauf qu'on passe à 5 niveaux en fait, par un truc. Mais on redémarre à 0, à chaque fois on commence à 0, donc ça c'est cool, ça me fait vachement plaisir. Et les Minecraft, la série Minecraft qui va venir, je peux vous teaser, c'est un peu un genre de let's play, mais en beaucoup mieux. Voilà, c'est un let's play en beaucoup mieux, avec plein d'objectifs et en mode vanilla, sans shader, sans rien, vraiment en mode vanilla. Et franchement, j'ai jamais vu ça sur YouTube, en tout cas sur Minecraft Pocket Edition, et j'espère que c'est moi qui vais inaugurer ça sur Pocket Edition. Je pense que sur Minecraft PC ça a déjà été existé, mais bon, Pocket Edition j'ai jamais vu ça, même en anglais, donc voilà, même en anglais, donc ça n'a sûrement pas été fait. Donc je vous utilise pas trop, j'espère que vous regarderez ça samedi, la nouvelle série de Minecraft, donc voilà. Et comme autre série, ben, il y en a plus. Voilà, les séries qui vont arriver, je viens juste dessus. Le prochain jeu qui remplacera Pokémon sera un jeu GBA, qui est quand même un des jeux GBA un des plus vendus après Pokémon. Et je vais juste vous teaser juste le nom, il y en a plusieurs, bien sûr, il y en a deux ou trois.
c'est un jeu Legend of Zelda. Donc voilà, beaucoup de monde me demande de faire ces Zelda qui déchirent quand même sa race à l'époque. Donc voilà. Il y en a un qui va arriver sur la chaîne en tout cas. Après, on partira sur un autre jeu Pokémon. Donc voilà, c'est le jeu Pokémon, bah, c'est toujours la base sur ma chaîne. Donc voilà, les jeux Pokémon sera vraiment le fil conducteur de ma chaîne avec Minecraft et bien sûr Weekly Wasting et Clash of Clans parce que, comme je l'ai dit dans mon let's play, c'est enfin dans le planning, ce n'est pas des jeux qui vont arrêter tout de suite. Je veux bien le tenir jusqu'au temps que j'ai du plaisir et que ces jeux, je les garde, quoi. C'est vraiment le truc, quoi. Alors, on va parler un peu de la communauté maintenant. La communauté se porte toujours bien. On est monté à 144 abonnés maintenant. Donc voilà, on arrive bientôt au concours des 150, hein. Donc je l'ai lancé il y a quoi, un peu plus d'un mois. Donc je suis assez content. Je suis assez content. J'espère atteindre les 200 pour vous faire des cadeaux, parce qu'à partir de 200, vous avez encore un autre concours pour les cadeaux. Vous pouvez gagner un petit cadeau, mais qui est quand même intéressant. Ce sera une carte soit Play Store, ou soit une carte, allez, hein, Apple. Puisque je fais du main, enfin, je fais du mobile, je vais pas vous offrir une carte PC, quoi. Je vous offrirai une carte mobile. Tout dépend ce que vous êtes, et vous me le direz dans les commentaires, et je choisirai un peu. Une de chaque. Donc voilà, une de chaque à 10 euros, ça veut dire 20 euros pour moi. Bon, c'est pas grand-chose hein, pour moi, mais c'est pour vous remercier. Mais c'est pas tout de suite, c'est pas tout de suite. Pour les 200 abonnés. Donc, dites à vos potes de vous abonner si vous voulez avoir ce petit cadeau. Alors, après ça, la communauté est toujours sympa avec moi. Des fois, on a un petit rageux qui vient mettre un petit commentaire, mais bon, je ne le poste pas parce que je peux décider si. De mettre les commentaires, bien sûr, ou désolé. Bien sûr, des fois, on me demande, ouais, j'ai posté mon commentaire, mais il n'est pas posté. C'est normal, je dois activer le commentaire, je dois approuver le commentaire. Donc, voilà. Donc, j'ai décidé de faire ça parce que, bah, voilà, je pense que j'ai pas envie d'avoir trop les rageux. Je dois bien garder les rageux pour moi, pas dire ainsi, je sais bien qui met les rageux parce que moi, j'ai une petite communauté. J'ai quelques commentaires sous les vidéos, mais bon, voilà. Des vidéos que vous devez m'aider, que je demande de l'aide, vous m'aidez pas. Et les vidéos que je demande pas de l'aide, vous m'aidez. C'est franchement un peu chelou chez vous. Mais bon, c'est ma communauté, je la trouve super bien, donc voilà. Ouais, vous êtes super, vous le savez bien. Alors, on va parler un peu maintenant, bah, un peu de l'avenir de la chaîne, donc. L'avenir de la chaîne, bon, on n'est pas très très loin encore, on a un peu plus d'un an de cette chaîne. Donc mon passé YouTube, et ça fait quand même maintenant 4 ans que je suis sur YouTube maintenant quasiment. Ouais, plus ou moins, j'ai commencé ça à 12 ans et j'en ai 16. Bon, j'ai fait vraiment quand même un gros break après ma première chaîne avec ST. Après j'ai repris une chaîne avec ST, la Pumat.aventure, qui a changé, qui est devenue Pumat, et puis j'ai fait ma chaîne secondaire. Qui est passé en chaîne principale et maintenant c'est ma chaîne principale et voilà. Donc voilà. Donc voilà, j'ai la bouteille, mais bon. J'ai pas non plus 36 000 abonnés, quoi. Mais bon, j'ai toujours une petite communauté qui est toujours un peu sympa. Et bien sûr, des fois, j'aime bien repartir un peu sur les commentaires un peu nostalgiques de ma première chaîne Pumat. Donc voilà. Des fois, j'ai quoi des commentaires actuellement, genre. Vas-y, tu peux continuer ta chaîne, j'aimais bien ton contenu et tout. Oui, je voudrais bien continuer ma chaîne là. C'est pas, elle est pas arrêtée, mais seulement j'ai pas envie de tourner des vidéos de mauvaise qualité. Donc voilà, c'est juste une question de qualité là. Et une question d'envie aussi, je peux pas jongler sur les deux tableaux, sur les deux chaînes. En tout cas, voilà. Et bien sûr, on va parler du dernier point. Ce mois-ci, j'ai créé une team. Donc la team, c'est la Bestria. Donc c'est une team composée d'actuellement on est 4. Donc voilà. 4 voire peut-être même maintenant 5 je pense actuellement. Je sais plus. Je j'ai plus beaucoup sur la conf de la team parce que j'étais un peu occupé. Je suis parti en week-end. Et puis j'ai eu plein de petits problèmes avec l'école. J'ai eu des contrôles actuellement. Donc beaucoup de contrôles. Mes examens aussi qui sont un peu mal passés. Mais bon. On va pas débriefer ici, je ferai souvent une vidéo pour débriefer de ça. Mais pas tout de suite, sûrement dans les jours à suivre, la semaine prochaine.
Donc voilà, c'est juste pour débriefer. Mais voilà, c'est un peu mal passé. Pas grave. C'est pas grave. Donc voilà. Et pour la team, on a beaucoup de projets. Enfin, en tout cas, ils ont beaucoup de projets. Moi, j'ai deux, trois petits projets. Moi, j'ai un projet de faire un serveur comme Celestia. Voilà, c'est mon projet. Mais qui ne sera pas dans les airs. En fait, le départ sera... La ville principale de Celestia est dans les airs. Et en fait, moi, elle sera dans le Nether. Dans le Nether. Donc, ça peut déchirer quand même. Ça peut déchirer. La ville devra être dans le Nether. Vous imaginez compte? Le ville doit être dans le Nether. N'importe où dans le Nether. Mais c'est moi qui choisirai bien sûr l'endroit où on devra faire la ville. Mais ça peut déchirer quand même. J'ai regardé ça dans ma tête, je me dis, mais t'es un fou, Matt, t'es un fou avec les ghasts et tout. Mais en fait, il y a un mode que je vais installer qu'on peut désactiver certains monstres. Donc, je désactiverai les ghasts. Voilà. Je peux, par exemple, désactiver la provocation du feu, donc ils ne pourront pas tirer. Mais je vais désactiver les ghasts complètement. Donc, voilà. Je vais essayer, en tout cas, peut-être pas pour le début. Mais je pense que d'ici vendredi, le serveur va ouvrir. Donc voilà, hein. Le serveur sera ouvert qu'à la team actuellement. Et après, je pense que je vais sûrement inviter des autres youtubeurs. Je sais pas encore qui, mais bon, voilà. Esteban, il sera toujours le bienvenu. Donc Esteban, Forbi, relax, non, parce que voilà, il me fait chier. Mais Forbi pourra venir. Esteban, bien sûr, en live, s'il veut venir faire des lives sur le serveur, il est bienvenu, puisqu'il a recommencé ses lives sur MCPE. Enfin, sur mobile en tout cas. Donc voilà, ça peut toujours être cool. Et le projet de la team, c'est un peu refaire des KTP, enfin des KTB actuellement, des FK. Ils ont beaucoup de projets, mais plus dans le cinéma. Genre faire des courts-métrages. Moi, j'ai dit que je ne participerai pas à ça parce que déjà, c'est pas que j'aime pas, c'est qu'en fait, avec ma connexion internet dans ma chambre, je ne peux pas en fait. Je pourrais le faire, mais il faut que je sois en bas et bien sûr à mes parents, donc je peux pas parler non plus comme je veux. Là, puisque mes parents sont pas là, j'évite d'aller tourner du Clash of Clans après, mais voilà, je peux pas en fait. Je voudrais bien, mais je peux pas. Donc voilà, c'est tout. Donc voilà. Si vous avez beaucoup de questions à vous poser, vous pouvez bien sûr les dire dans les commentaires. Des questions à me poser sur n'importe quoi, sur l'avenir de la chaîne, des nouvelles séries que je pourrais faire. Ça peut franchement m'aider, surtout des nouvelles séries, parce que les jeux j'aime bien, mais bon, il y a que ça que je peux faire, parce que les jeux Android, c'est des jeux un peu chiants, donc voilà. À part Wild Club Racing et Clash of Clans, vous me verrez pas sur Clash Royale en vidéo, c'est sûr. Voilà. Je pense qu'après, je peux me lancer sur Boom Beach dès que j'en aurai marre, ou le nouveau jeu qui vont sortir, parce que bien sûr, ils vont bien sûr bientôt sortir un nouveau jeu, hein, bien sûr, je pense. Donc voilà. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, et je vous dis bien sûr que la prochaine fois, la bannière ici que vous voyez là, en tout cas, changera, parce que j'ai changé de logo aussi. Vous avez vu que j'ai changé aussi de logo, aussi de chaîne. J'ai changé de skin aussi. Je vais sûrement changer ma bannière aussi. Donc voilà, plein de trucs qui vont changer. Je vais me faire sûrement une belle petite miniature pour le Matin Info pour vous parler. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous a quand même plu pour le Matin Info de septembre. Je pense que c'est le 5 ou 6e, 5, 5e, je pense. 5 ou 6e. J'ai commencé juin, juillet, août, septembre. Quatrième. On est au quatrième. Je pense qu'on est au quatrième ou quatre ou cinquième. Franchement, je sais pas, mais on avance bien dans les matins info. J'ai même commencé à. Bien sûr, il y a beaucoup de monde qui me disent aussi, fais des playlists parce que voilà, t'as pas cette playlist pour dire vraiment tout ce que t'as. J'aime bien en fait qu'une série soit vraiment lancée de 3-4 épisodes pour faire la playlist. Donc voilà. Les matins info, je sais bien que je vais les garder, les matins info. Donc je vais faire la playlist. Il faut que je mette toutes les playlists à jour aussi. Donc, par exemple, monter Pokémon jusqu'à l'épisode 30. Et voilà. Donc, voilà, en fait, ce que je vais faire, c'est une petite info de la soirée. C'est je vais jouer à Clash of Clans, faire la vidéo. Et après, je vais aller monter mes Pokémon, parce que je le dis dans le prochain épisode. Donc, voilà. Allez. Ciao les gars, portez-vous bien, abonnez-vous, et mettez des petits commentaires et des pouces bleus. Ciao!